Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment tracer la droite perpendiculaire à une droite donnée et passant par un point donné en utilisant une règle et un compas. Il y a deux cas possibles. Dans un premier temps, on va tracer une droite perpendiculaire à la droite donnée et qui passe par un point appartenant à la droite. Soit A le point donné sur la droite D. On prend un écartement quelconque du compas et on pose la pointe sèche du compas sur le point A et on trace deux points sur D à égale distance du point A. Autrement dit, on trace deux points de telle sorte que A soit le milieu du segment limité par ces deux points. On prend un écartement du compas qui dépasse la moitié du segment et on trace le premier arc du cercle. Ensuite, on change la pointe sèche du compas sur ce point ici. Et sans changer l'écartement du compas, on trace le douzième arc du cercle. Comme vous le constatez, la droite qui passe par ce point et par le point A est la perpendiculaire à la droite D. On marque ce symbole-là qui représente le symbole de l'angle droit. C'est le codage de la perpendicularité des deux droites. Alors, c'est comme ça qu'on trace la droite perpendiculaire à une droite donnée et qui passe par un point appartenant à la droite donnée. Donc, le deuxième cas, on va tracer la droite perpendiculaire à la droite donnée et qui passe par un point donné à l'extérieur de la droite. Soit B, un point n'appartenant pas à la droite D, on fixe la pointe sèche du compas sur le point B et on prend un écartement du compas de telle sorte que l'arc du cercle coupe la droite D en deux points à égale distance de B. Comme vous le constatez, soit ce point est E et ce point et F. E et F sont équidistants de B. On prend un écartement du compas égal à la distance EB. La pointe sèche du compas est sur le point E. On trace le premier arc de cercle qui passe par B. On change la pointe sèche du compas, cette fois-ci, sur F. On garde le même écartement du compas et on trace l'arc du cercle qui passe par B et coupe le premier arc qu'on a tracé en un point que l'on nomme C. La droite qui passe par B et C, c'est la droite D' cherchée. C'est la droite qui est perpendiculaire à la droite D. J'espère que j'étais clair pour la construction de la droite perpendiculaire à une droite donnée et qui passe par un point donné. Alors c'est fini pour cette construction. Donc, au revoir et à la prochaine vidéo.